Et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis le Chi Augustin jusqu'à sa demeure éternelle. Il vient de quitter la maison où il a vécu sur cette terre. Accueille-le parmi ceux que tu nous fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Du livre de la sagesse. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu, en fut. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde pécheur et en fut retiré. Il a été repris de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car les séductions faciles font perdre une vue de bien et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but, en peu de temps, il a couvert une longue route parce qu'il plaisait au Seigneur. Celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il veille sur ses amis. Parole du Seigneur. Oh Jesus, your name is powerful. Ça peut paraître drôle d'utiliser le mot célébration, car la mort de quelqu'un qu'on aime, surtout la mort d'un papa, n'est pas une occasion heureuse. Ne célébrons donc pas la mort, mais la vie. Voilà pourquoi j'ai arboré ce soir la couleur blanche, signe de pureté et de sainteté. Papa Luchi Augustin Debonnaire, demandons au Seigneur d'absoudre tous les péchés qu'il a commis sur la terre des vivants. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de Jésus, puisse le Seigneur lui accorder la grâce d'avoir part à la résurrection au dernier jour. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres et des misérables pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et je reconnais devant mes frères
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je subis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. There is just a new birth. That's why our forefathers in the faith believe so much that life is more important than death. The life we are talking here is an everlasting life. There is a great philosopher called Heidegger who said something very important. Heidegger said, we are all born to die. Nous sommes tous des êtres nés pour mourir. By the moment we have been given birth, that same moment, we're going to be ready to die. That's why whenever you go to, the cimetière. Cemetery, thank you. You will see here 5 years, 19 years, 20 years, 45 years. This tells us that death doesn't choose a particular age to come, right? So it's very, very important for us. Whenever we lost a member of our family, we have the impression that we have lost our whole self. In the sense that we're no longer going to see that person again. That's why this passage is one of the most important passages in the scriptures. It's because of the miracle that happened in this passage that the Jews decided to kill Jesus. What was the first miracle in the Bible? Jesus turned water into wine. So it's very important. Right? And later on, this one is the last miracle. What is the last miracle of Jesus in the scriptures? The resurrection of who? Of Lazarus. Oh, Jesus, your name is glorious. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus, your name. Cette mort conduit à quelque chose de plus grand. J'ai laissé que Lazare meure parce que je veux faire un signe beaucoup plus grand que la mort. I'm coming to give Lazarus a new life. And let me tell you, when Jesus resurrected, is it well said? Est-ce qu'on dit bien resurrected? I don't know. When Jesus raised, anyway, I know you are getting it. When Jesus raised Lazarus from death, later on, Lazarus died again. Just the fact that you guys have gathered many years to come for this occasion is a sign that this our daughter here is blessed. Amen. Yes. I want to hear a bigger amen. Amen. Yes. L'homme, les êtres humains, c'est la plus grande richesse qui existe. Nous devons tous être animés par ce sens de solidarité. Et c'est très important pour nous de prier pour le repos de notre papa. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Aujourd'hui c'est papa Augustin Lucci. Demain à qui le tour? Lorsque le Seigneur décidera de fermer le compteur de mon cœur, il va falloir que je puisse dire comme ce papa, Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. Whenever we go to bed, we begin to sleep. Where are we going? Nobody knows where it's going. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste
Emilien is my wife. Our family is diverse. We don't base like we base on culture or where we come from. We are open. Emilia is married to my cousin. It doesn't be an easy one. When I lost my dad in October, I thought I'm not going to cry anymore. But it was rather unfortunate that I still had to cry. Cry not just because it was Emilia's father, but because she could not sleep. It wasn't an easy task for her, back and forth. With the children back home, struggling, it has not been an easy one. But I also want to thank God that she is a courageous woman, she is a brave woman. With all that, she is still strong and healthy, she can still pull. You have to stay still because you have a lot that depends on you and you have a long way to go. We are here to support you. Your group, your brothers and sisters is here. Today you are not with your family is back home, but you have seen the love that everybody has shown to you to make you understand that comfort is where you build your strength. Comfort is where you find love, happiness. Comfort are those people who stood by you that time you need them. So never you relent your effort or your faith. Be strong and love each and every person that comes beside you. So I just want to tell you that we are here and we are here for you. Even if it is just one person by you, count on that person and give your strength upon that person. And I want to thank the Father for the wonderful mass. I felt like, oh my God, I was in Baile Church today. Yeah. Because the mass was like, oh, camera. I was like, oh, Lord Jesus. I'm like back home. So I just want to appreciate the choir for the wonderful mass they present to us today. And we say it's a lovely one because there's no rain. We are living happily, and I wish everybody safely, and I pray for our country, Cameroon, and pray for our brothers and sisters back home. We are so happy that we are here with her to mourn with her and to celebrate her father's death. As we do to every member, let me say our name again. Happy ladies! We are together. Happy ladies! Wow. So we are the happy ladies of DMV. We want to make ourselves happy because in America there's too much stress and too much work. So we take time to be stress-free and be happy. Anytime that we have a joyful event or morning event, we will have to chip in something to help our sister. So, Sister Emilien, as we do to everybody, this is our token from the bottom of our hearts. Do not mind how much money is in here or what is in here. It's from the love that we have for you. That whatever expenditure you did, whatever money you want to send back home for the celebration of your dad's death, you can chip in something from this one and we'll continue to be together, pray with you, with your family. Thank you so much. And it's always good to see that many people are coming to give us support. As the presenter said, I am the cousin of Papa, so his mother and my father are siblings, and his mother is my father's elder sister. So I didn't know about this until my mother sent a message over to say that he has passed. And I didn't know Emilien was here in America for some reason. So she gave me the number, and I called her, and we always heard about her father, but that left Cameroon very early on, so I didn't have the time to meet a lot of people. But again, it was so painful because we always heard about Papa Gustav. We always heard about him. My father always talked about him, but because my father traveled to the village all the time, and he was in Bafang where you see him all the time on his way there, and always have good news, always have everything good to say about him. C'est notre papa au quartier parce qu'Emilien et moi, nous avons grandi ensemble en Bafang. On a fait tout ensemble. On est dans un quartier très grand où nous étions considérés comme les enfants d'un même père et d'une même mère. On a grandi avec cet amour familial tellement que dernièrement, quand mon père et moi, je lui disais, tu sais, on a grandi tellement avec un amour fort que aucun garçon d'une autre maison n'a épousé la voisine. Puisqu'on se disait, nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Nous, c'est tout simplement remercier d'être venus
dans la paix du Christ, nous allons tous rentrer en paix après avoir bravé toute cette maladie et toute autre chose. Emilienne ici est aussi ma fille. Donc vraiment, le papa d'Emilienne est décédé. Un papa très gentil. Et vraiment, si quelqu'un sait qui est Emilienne, c'est que tu as vu son père. Emilienne ressemble à son père plus que les hommes. Elle est comme son père. Elle a même la barbe. Elle est comme son père. Et c'est comme ça qu'elle est vraiment très vaillante, très forte, très brave. Vraiment. Elle est très vaillante, très brave, comme vous la voyez là. Elle fait comme un homme. Vraiment, je vous dis grandement merci de venir l'assister, essuyer ses larmes. Nous sommes loin. Si tu perds quelqu'un comme ça et qu'il n'y a pas les gens pour t'encourager, tu ne peux pas vite t'en sortir. Donc je vous dis merci. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Célébrer la vie de papa avec moi. Les autres ont presque tout dit concernant mon papa. Je vais célébrer mon papa avec galanterie. Parce que je me disais que avec tout ce qui se passe là-dedans, je ne verrai pas tout ce beau monde. Mais vu la manière dont les gens sont arrivés, ça prouve qu'il n'était pas mon papa à moi seul. Et pour ce fait, je vous remercie grandement. En ce qui concerne papa, à l'âge de 70 ans, il était transporteur, il faisait la ligne de Douala, il y a une des parties un peu partout dans le Cameroun et il meurt, il laisse plusieurs enfants. Je ne dois pas pleurer parce que. En fait, papa n'a pas été malade pour très longtemps. Il a fait juste un mois de maladie. On a tout fait, tout ce qu'on pouvait faire, mais Dieu l'a aimé plus que nous. Papa part aujourd'hui. Permettez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, frères et sœurs. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste pour accompagner. Peut-être c'est parce qu'elle n'a pas pu finir ce qu'elle avait à dire. Mais je connais un peu. À ce niveau, son père n'est plus là. Ce n'est pas à cause des moyens, c'est parce que Dieu a accepté. Elle était pour son père comme sa première femme, comme sa confidente, comme sa première fille, comme sa première petite fille en même temps. Et enfin, elle était toute pour son père. Merci pour elle d'être là, vu la pandémie qui est dehors, pour un jour comme celui-ci, comme on pouvait dire. C'est son père. Mais un jour, comme la salle est pleine, personne ne pouvait imaginer. C'est le père de tout le monde. C'est le père de l'humanité, comme dit la mère de l'humanité. Merci d'être présent pour la consoler mieux. Parce qu'on dit en patois, une main ne peut pas faire attacher une boule. Mais grâce à vous, elle est solide. Dehors, elle peut aussi consoler une autre personne. C'est juste que la douleur qui concerne la mort n'est pas quelque chose, comme on peut dire, je célèbre mon anniversaire. Elle célèbre la mort de son père. Ce n'est pas facile pour elle. Mais je lui donne encore un coup de chapeau parce que durant tout ce un mois, elle n'a pas eu à faire ça auprès de moi. Chaque fois, elle me dit, tu es où? J'arrive, je suis en route, sois prête. Donc je lui tire encore un coup de chapeau.
Et comme vous êtes venus, mes chers frères et sœurs, Dieu vous a accompagnés pour ici. Bientôt, quelques minutes, quelques heures, ça serait peut-être la fin de cette salle. Que Dieu qui vous a amené ici, là, vous ramène en chacun de nous dans sa maison et qu'il nous bénisse encore une fois de plus parce que c'est une grâce. Parce qu'elle, elle a même au moins acheté la Libatine et qu'à mon âge, je n'avais pas pu acheter. C'était comme si Dieu n'était pas sur mon chemin. Alléluia, alléluia. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Augustin Lecci, avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec ce papa, Augustin Lecci, à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bonne soirée à tout le monde. Come ma abominga o fuma faia faz e ninga manga siliwa o come manganga minga adarai gisi ki wa tu na ma anti sabiwa ana makamandang na anti biza o fuma ina boy Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix dans nos cœurs, cette paix dans nos différentes familles, spécialement cette famille endeuillée, cette paix dans notre pays, le Cameroun, et dans ce pays d'accueil, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. On salue de la main, s'il vous plaît. Hallelujah.
l'air beau, mais j'en veux trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi, éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Ma veuve wangane, azambe ma veuve wangane, yemba. Les gens vont venir, tu ne sauras même pas d'où ils viennent. On a dit qu'on va venir, les gens vont venir jusqu'à tu vas t'accroître. Ils vont passer par où avec le corona si. Je t'ai écrit que tu vas voir les gens là que tu ne connais même pas d'où ils sont. J'ai dit que je ne pouvais même pas parler parce que rien que là. Quand j'étais assise là, je ne voyais pas les gens. Mais c'est quand je me suis mise là que j'ai vu le monde. Mais il y avait plein de gens ici. Waouh. Et beaucoup de gens que j'ai même invités ne sont pas venus. J'ai dit, n'est-ce pas? Je ne savais pas que les gens pouvaient venir comme ça. Puisque les gens m'ont même découragé. Emile, ne fais pas. Mais la police va venir. Ça, c'est des on va t'amender. Ceci, cela. C'est le prêtre qui m'a encore encouragé. C'est lui qui m'a fait comprendre. Quand la police vient, si tu as le man sanitaire, tu as tout. Tous les masques, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est la loi normale. On ne dit pas qu'on ne fait plus de deux masques. Merci. C'est bien passé. Très bien. Vraiment, je suis très content. Je suis sûr que même là où mon papa est là. Non. Ton père était bien. Il a servi les gens. Il a fait, disons, 4 jours à l'hôpital général. Il est arrivé là-bas le 19.
très grande joie au cœur. D'abord, comme le prêtre a dit tout à l'heure, vraiment, les gens m'aiment et je suis bénie. Vu tout le monde, oh oh. Vu tout le monde qui était là pour moi, vraiment, je suis bénie. Et à partir d'aujourd'hui, je sais que papa des bonnets n'était pas mon papa à moi seul. C'est le papa de tout le monde. Ce fait, bon, ça me remonte d'une manière ou d'une autre. Il est vrai, c'est pas facile de perdre son papa, mais tout ce que Dieu fait est bon. J'ai accepté, puisque il en est ainsi. Tout ce que je veux, c'est que Dieu lui réserve une bonne place à ses côtés et que papa repose en paix. Je sais qu'il est là-haut et il veille sur nous. Tout ce que je peux dire, c'est que papa, adieu. À nous les pleurs, à toi les fleurs. Adieu, papa, jusqu'à ce qu'on se revoie. Merci. Grand merci pour me donner l'occasion de m'expliquer la situation telle que j'ai regardé la population qui était là. Je suis très fier. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Bon, dans un pays là où tu es peut-être nouveau, ça vient d'arriver, un malheur qui t'arrive pour une première fois et le monde est derrière toi. Ça veut dire qu'on dit que vraiment, on dit merci à Dieu. Bon, et on est fier parce que tout le monde est venu. Même les amis que j'ai appelés sont déjà arrivés bien. Même ceux qui sont en train de venir maintenant, comme celui-là que je viens de l'accompagner, ils n'arrivent même pas à marcher ni boire, mais il a forcé pour qu'on puisse arriver ici. Et en laissant les enfants à la maison, bon, qui vous dit que vraiment, tu as suivi comment le prêtre a parlé quand même, qu'il est arrivé dans une deuil avec trois personnes. Mais le monde qui était là, les chaises qu'on a prises, c'était petit. Les gens étaient dehors, ceux d'autres étaient assis dans la voiture et bon, on dit merci à Dieu vraiment. Bon, grand merci. C'est très bien. Cette veillée a été vraiment réussie dans l'ensemble. On ne s'attendait pas, vu le large boulot qu'on avait toute cette journée. Mais au finish, vraiment, nous sommes réjouis. Nous sommes très contents et nous remercions tous les Camerounais, tous les ressortissants de tous bords, Camerounais, Africains, qui sont venus ce soir nous accompagner pour essuyer les larmes, accompagner notre papa dans sa dernière demeure. Vraiment, nous sommes très contents. Et qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement pour cette veillée? Ce qui m'a marqué, c'est la joie des Camerounais. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le bon nombre de personnes. La salle était pleine en ce temps de Covid. On était même découragés parce que d'aucuns nous ont dit que la veillée ne devait même pas avoir lieu. On était même un peu découragés. Mais au finish, nous étions vraiment surpris que la salle était pleine. Les gens ont vraiment honoré de leur présence et nous sommes très contents. Alors, un dernier message à l'endroit de papa disparu. Ah, papa Augustin, notre papa, notre cher papa, vraiment. C'est avec les larmes aux yeux que nous te disons au revoir. On aurait bien voulu assister à ton enterrement, mais comme on dit souvent, loin des yeux, proche du cœur. Nous sommes de tout cœur avec toi, papa. Va et repose en paix. Nous allons prier pour toi. Il n'y a que les prières pour t'accompagner. Il faut un village pour... C'est dans notre tradition, hein. Il faut un village pour pleurer un deuil. Une personne ne peut pas pleurer son père. Une personne ne peut pas pleurer sa mère. Il faut un village. Il faut des amis qui viennent te soutenir. Pour cette soirée, nous avons vu ce principe d'associativité. Quand quelqu'un de nous a un malheur. Et alors, Emilien qui avait un malheur, nous, on a travaillé toute la semaine pour que cet événement soit une réalité. Et cela est devenu une réalité. Et les gens sont venus. Bon, Emilien aujourd'hui est consolée. Je crois qu'elle est consolée, elle est contente. Jusqu'après cet événement, elle pleurait le stress. Mais je crois que le stress est fini. C'est tout ce que je peux dire. Le stress est fini. On a pleuré son père. Et j'ai vu les gens pleurer. Le tap-tam, tous les gens sont venus. C'est extraordinaire. Fais semblant de mourir pour voir qui va te pleurer. Tout à fait. Et j'ai vu. Et mon papa aussi vu.
vraiment. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. C'est l'élément, clé que je veux dire pour cet événement. La vie était très, très bien. Tu parles. Vraiment, on rend hommage au père ce soir. Tout s'est très bien passé. C'est vrai, ce sont des moments difficiles. Mais tout le monde a signé présent. Tout le monde était là. Donc, et tout s'est bien passé. On remercie tout le monde pour ça. Ouais, on ne peut que prendre son avant content. C'est vrai que la période du confinement n'est vraiment pas levée, mais vous voyez, comme vous pouvez vous constater, il y a pas mal de gens qui ont les masques, mais ça s'est très bien passé. On a vu l'anonymité, combien les gens ont répondu présent. Et nous savons que c'est un sacrifice parce que c'est pas tout le monde qui décide de prendre ce risque de venir dire au revoir au papa. Et du moins, nous souhaitons que son âme repose en paix. Et à très bientôt. Merci. On sait qu'il est en paix. Il est parti dans le monde. Ça s'est bien organisé. Et on prie que toute personne qui a été à la veillée rentre dans les bonnes conditions. Bon, j'ai vraiment aimé la vidéo, la veillée. Et qu'est-ce que tu as marqué particulièrement ce soir? Le Bessikin Bamleke, ça a été bien fait, il y a eu du farotage. Vous voyez un peu. Vous n'avez pas eu peur du corona? Non, bon, vous savez, le corona c'est une maladie, c'est pour les blancs en fait. Vous avez bien enjoyé cette veillée? Non, j'ai bien enjoyé, maintenant je rentre chez moi avec du Togo et ça me permet de ne pas préparer pendant 6 mois. Mm-hmm. Yes. On est là, on soutient notre soeur, ça se passe dans les bonnes conditions. Malgré qu'il y a le corona, mais on l'assiste. Donc, on souhaite une excellente soirée à tout le monde. Comment vous avez trouvé la veille aujourd'hui? Elle s'est passée dans les bonnes conditions. On est là et on continue toujours à assister. Quoi. Donc, excellente soirée à tout le monde. Quoi. Que... de la situation de la pandémie qu'on vit en ce moment, les gens sont démerdés pour être là, pour assister notre soeur. Et puis on est en train de vivre la troisième mi-temps, comme on dit souvent. Pour ma part, compte tenu de cette situation-là, je pense que les choses sont bien déroulées. Ça a été l'occasion de voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis. Quelque chose malheur bon. Voilà. La veillée pour moi a été très bien. Je sais si tu veux, c'est la première fois que j'assistais à une veillée ici. Et en tant qu'un ancien, je suis orphelin de père depuis 30 ans. Ça m'a fait rappeler mon papa que j'ai connu à l'âge de 7 ans. Ceux la concernaient qui pleuraient, tellement touché que les larmes ont coulé. Bon, la soirée a été très, pour moi, exceptionnelle.